collectif et 4 décembre critiqué en pile dirigeant haïtien yo qui pas aucun souci pour refaire image Haïti sans ouéter système la justice là qui tombé plate à terre. Coordonnateur général collectif 4 décembre Jean-Robert Argan qui t'a réagi sous dernière sanction les États-Unis prend contre ancien premier ministre Laurent Lamothe quoi coup de pouce étranger yo t'a doué servi comme opportunité pour encourager gouvernement de facto Ariel Henry en combattre la corruption, impunité et la trier. De l'autre côté, responsable organisation dans la société civile là dit qu'il y a une sensation, qu'il y a une forme justice qui a marché en faveur pays a depuis quelque temps. Jean-Robert Grant a pris une question collaborateur nous, Michel Alexis. Une sensation de certaine justice qui a pris, ok? Mais maintenant, on va pour nous et tout. Nous pensons que c'est extrêmement frustrant et nous pensons que c'est un soufflet marassa que Haïti prend lorsque c'est le département d'État américain ou bien la justice américaine, disons, qui l'a et qui vient remettre justice, qui vient juger et un haïtien, un principe haïtien, un supposé haïtien, et à sa procès, qui vient juger lui et qui pense et que le département d'État américain a annoncé que la justice américaine pense une sentence contre le citoyen ça qui était le premier ministre d'Haïti. Le département d'État américain a annoncé la disposition de la justice américaine. Pour la Caipanou, à peine, si vous entendez, l'État ou les responsables de notre gouvernement à se prononcer sur l'affaire. Et c'est ça qui est frustrant, c'est ça qui est révolte. C'est comme si que la Caipanou n'a aucune valeur, n'a aucun respect, d'aucune fonction, d'aucune que citoyen et tout penser que nous remettre toute cause d'eau à étrangère. Et c'est peut-être ça que au fait que la justice américaine a tranché parce que certainement yo gen renseignement yo, yo gen preuve saltaia pour arriver à une sanction pareille. Donc peut-être que nous avons certainement mérité sanction, mais ça terrible là, c'est de voir que ce soit à l'étranger que vraiment de sanctionner monde qui était occupé de haute fonction dans le pays, nous. Même si ce n'est pas tout le monde qui était occupé de haute fonction, quel que soit le citoyen haïtien, que c'est l'autre bord du juger là, nous trouvons que c'est vraiment c'est irritant et c'est frustrant. Nous ne pas rejeter les sanctions américaines, vraiment. Nous pensons qu'il y a des preuves, certainement, et que le monde qui est jeune coupable, est probablement coupable. Donc, il y a un problème avec ça, et la payer, ça peut payer pour ça que le fait, et que le pas trop payer. Nous n'avons pas de problème pour ça. Nous pas apprendre qu'il faut un minimum de décence pour imposer une certaine justice à la nation. Et que ce ne soit pas à l'étranger de faire de tout pour nous. Et c'est peut-être ça, et c'est ça que nous avons. Tendance, gouvernement nous, c'est de remettre la solution de nos problèmes, la justice de nos problèmes, le développement de notre pays à l'étranger. C'est comme si nous pas existait comme pays ou comme nation. Et c'est ça. Monsieur Argan, comment coup de pouce étranger ça est capable d'aider l'autorité pays d'Haïti, notamment dans le niveau de la justice? Montre qu'il a prouvé qu'il n'y a pas à faire de justice, ça n'est pas comme parole ça. Mon justice, ça, c'est dans le dictionnaire qui était pour eux. Mais il n'y a rien de là. Et en principe, s'il y avait un gouvernement sérieux, s'il y avait des gens sérieux à assumer la gestion de notre pays, certainement, le gouvernement américain, t'as fait le bail, fiche de renseignement, mais ça a été hier. Vous comprenez? Et que t'as capable d'utiliser. Mais ce sont des gens totalement, vraiment en dehors de toute compétence ou en dehors de tout sérieux en ce qui concerne la justice de notre pays. Qui fait que, même ça, même si, un peu plus loin, nous avons un stade que c'est tellement vilain au niveau de notre gouvernance, même si la justice américaine dépasse tout document de support, tout preuve que la justice haïtienne a gontrou l'en manche pour son bagage, on ne sait pas ça comme un pays de corrompu jusqu'au sous.